Salut tout le monde, c'est Verimer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Assassin's Creed Syndicate, donc l'épisode 24, je crois. Donc c'est parti, jeu dangereux, séquence 8, niveau 7, il faut être suggéré. Jacob et Rhodes ont l'intention de semer le chaos en faisant exploser une des fabriques de Stark. Ok, quand même. Ah, mais à force de faire ça, Stark, il va agir quand même. La dernière fois, on avait volé, enfin, on avait embarqué 5 de ces hommes. Là, par ici, mon cher, j'ai quelque chose à te montrer. T'as quelque chose à me montrer? Je suis pas très rassuré. Monte. Allez. Où va-t-on? Dans l'un des ateliers de Stark. C'est là où il fabrique des armes pour ses troupes. Quand le monde regorge de choses néfastes, faut apprendre à s'en débarrasser. Les gens comme Starik façonnent le monde selon leurs désirs. Alors. Tu es une bonne jument. Allez, je te suis. Il est là. Rot. Alors, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Je ne doute pas que tu apprécies le potentiel de cet endroit. Cet atelier appartient à Starik. Place la dynamite et réduisons-le ensemble. Ensemble. Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Mais ça va pas être si facile que ça. Ah, c'est du level en plus. Ouais, c'est du level. Il y a même des tireurs. Bon. Il y a du tireur. Il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout. Ah, ne tue personne, merde. Bon, c'est pas grave. Pas une perte. Et voilà. Encore un de moins. What? Par contre, là, je vais me faire voir là, non? Oh putain. Il serait bon de le tuer, lui. Que cherche-t-on? Seigneur! J'étais un bon soldat. Oh, je vais me faire repérer. Excusez-moi. Quelqu'un ici? Putain de bâtard! Autant se débarrasser du tireur. Boum. Bon, la dynamite. C'est pas tout ça là. Poser la dynamite dans l'atelier. Oh purée, sérieux. Ah, dans cet atelier là. Bon. Toi, tu vas me poser problème et boum, casse-toi. Allez, on continue, les amis. On continue.
Et bien. Regardez. Sérieux, de là-bas? Toi dégage. Ah par contre, lui il arrive, c'est impeccable. Cool, j'ai pas à le chercher. J'ai pas encore tué la populace, c'est étonnant. Voilà, ça passe. Voilà. Mais t'es sérieux? T'étais mort normalement. Bon, c'est pas grave. Bon allez, on continue. Prêt. Encore plus qu'une. Et ça sera bon. Alors, voilà par là. Où est-ce que tu vas ? Et j'ai terminé. Par contre, je vais peut-être baisser un petit peu pour pas que vous ayez un double son. Alors, c'est parti. Donc, plus qu'à lui parler. Hein. Mais voilà. Tout est prêt. Parfait. Il est temps de passer à l'action. Reculez! Ouais! Attends! Mais pourquoi? Il y a des enfants là-dedans. Jacob, mon ami. Starik fait travailler des enfants dans ses manufactures. Notre devoir est de détruire ses moyens de production. Mais pas comme ça. Pourquoi pas? Je veux pouvoir faire tout ce qui me plaît. Bientôt, tu comprendras ce que signifie être libre. Libre comme moi. Allumez, les gars! Non! Mais qu'est-ce qui te prend, Jacob? Je refuse de jouer à ton petit jeu, Ross. Je vois. On ne joue plus. Et il a raison, il est fou. Ah! Il est malade ce mec. Dépêchez-vous, la journée est finie. Putain, vous êtes sérieux, je suis obligé de vous porter. Bon. Allez vite, en moins de 2 minutes, waouh, c'est impossible, sérieux. En moins de 2 minutes. En fait, si j'aurais pas pris la dynamique là, j'aurais pu le faire. Où es-tu? Ah ouais, ça aurait été possible, ouais, si je n'aurais pas pris la bombe là. Vite, on va sauver le dernier. Et voilà. Je dois vous dire, monsieur Fry, que quand Ross en veut à quelqu'un,
Beaucoup de gens viennent à en souffrir. Mon très cher Jacob, il semble que nos aventures appartiennent désormais au passé. Cette période à tes côtés fut brève, mais elle laissera une empreinte durable. Je te souhaite bonne chance dans tes futures entreprises. Bien à toi, Maxwell. Post-scriptum, j'organise un spectacle ce soir. Tout Londres sera là. Tu trouveras 6 juin ton invitation. Ah bah j'ai réussi à sauver tous les enfants en moins de 2 minutes. Genre comment j'ai fait? Bah j'étais vraiment à la fin là. Ah, coup de poing. Un point de fer, on va regarder. Ouah, moins 2, c'est niveau 8 en plus. Non. On garde. Bon. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on fait, Jacob? Dernier acte. Ah. Certainement le tuer. Ou je sais pas, parler avec lui. Ah, point de compétence applicable. J'en ai 6 comme ça, les amis. Et je vais pouvoir acheter... Yes. Le tir rapide 2. Compétence de Jacob. Ok, parfait. Dégage. Putain, il est sérieux quand même. Vous avez vu, les amis, Roth, il a essayé de tuer les enfants, quoi. Alors sérieusement, c'est dégueulasse. Le mec, c'est un fou, quoi. Mais je m'y attendais, hein, je vous l'ai dit. Quoi, ce mec était chelou. Depuis la première fois, je l'ai vu. Hein, ça se voit qu'il est chelou. Entre Maxwell Roth dans l'embarras. Et l'assassiner. Ok, c'est parti. Je m'en doutais, hein, ça allait finir comme ça. C'était prévisible. Faut pas avoir fini le jeu pour savoir ça. Bon. Du coup, ça fait 12 minutes. Cool. En 12 minutes, on a fait la mission, ça va? Un ouvreur, ok. Ross. Il n'y a qu'une opportunité, ok. Ah si. Assez Maxwell Roth. Explorer le secteur pour identifier les opportunités. Ouvreur, opportunité de discrétion. Serveuse, opportunité d'aide. Et machiniste, opportunité de meurtre unique. Pas de problème. C'est parti. Et du coup, peut-être qu'on va finir la séquence suite, les amis. Une fois qu'on l'aura assassiné. Peut-être. Je suis pas sûr. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec elle? Ouvreur, avantage, entrer au théâtre, facilité, trouver un masque et jouer niveau au groupe. Stratégie, voler un masque aux gardes de Roth près du music hall. Échec. Un masque. Ah bah là, cool. Je vais le prendre, ça te dérange point. Bon, comme masque, j'aurais pu trouver mieux, je l'avoue. Je sais pas si le masque fêté demeure anonyme. Pas tant que vous n'attirez pas. Ok. Sérieux, je suis encore chelou. Le théâtre va ouvrir pour la représentation de ce soir. On va la suivre. Je sens que je vais me faire avoir. N'approche pas, d'accord ? Je vais me faire avoir. Vous le sentez que je vais me faire avoir là?
Ah non, mais ça fait trop chauffer. Tout le monde est prêt? Alors allons-y. Sympa. Bon, bah on a réussi la première mission, les amis. Cool, je suis content. Franchement, j'ai géré. Ça, c'était pas trop compliqué. Juste, j'ai un peu peur, là, que tout le monde m'a regardé, là. Pourtant, j'ai eu un masque. Ah, là, je l'ai plus. Ah, si, j'ai encore. Je l'ai ou quoi? Ouais, je l'ai encore. Rejoins le point d'observation de Music Hall. Ok. Deux ennemis là-bas. D'accord. De Philo. Si certains effets peuvent se révéler assez perturbants, ne vous alarmez pas, cher public. Ne craignez rien, ce n'est que du spectacle. La représentation de ce soir est dédiée au jeune homme qui l'a inspiré. Ça te choix. Un ami très cher à mon cœur. C'est à lui qu'il faudra adresser vos réclamations. Voilà. Jacob, mon cher, cette soirée est en ton honneur. Dégage. Alors par contre, comment je vais faire pour monter au-dessus? Probablement là. Et où sont les autres opportunités? Ah voilà. Ok. Voilà le point, les amis. On s'en sort bien. Franchement, là, pour le coup, pour l'instant, c'est pas mal. C'est moi qui serai votre serveuse ce soir. Ah, la serveuse. Toujours là, toi ? La dernière fois, t'as manqué de nous empoisonner. Zen 2, tenez-vous prêts ! Et le voici. Maxwell Roth. Laissez-moi sortir ! Le machiniste, il est là. D'accord. Tuer les fourrottes. Ah oui, d'accord, carrément. Ah ouais, ok. Une bombe fumigène. Nous avons un volontaire. Vos applaudissements pour cet homme débordant de courage. Bon. Notre volontaire. Qu'est-ce qu'on fait? Va mourir pour toi, Jacob. Quelle bravoure d'oser ainsi vous. Ce valeureux gentleman, mesdames et messieurs. J'imagine qu'on devra se débarrasser des forottes au début. Sous vos yeux incrédules et ébahis, notre talentueux tireur va disposer plusieurs cibles autour de sa tête. L'excitation est à son comble, n'est-ce pas? Ouais, dégage. Notre spectateur en sort. Ça va être trop chaud. Nous, les Anglais, sommes des gens hardis. Mettons cette hardiesse à l'épreuve. Bon, c'est parti, vous voulez la bataille? Je vous attends. La saveur se renforce à la seconde. Tiens, s'en prend de moins. Il s'en prend un deuxième de moins. Et j'ai tué le forot. Bon, pas terrible là pour le coup. Et du coup, je fais fuir la demoiselle. Où est-elle? Je vais la trouver. Elle est là. Pardon, trésor. Je cherche les commodités. Là-bas. Merci. Oublierais-tu tes principes, mon ami? Ok, faut que je la regarde. Pas de problème. Dans mes cordes. En plus, il y a un faux Maxwell. Vas-y, si tu peux les tuer pour moi, ce serait cool.
Allez, adieu les gars. Et voilà. Hein, j'ai pas réussi. Le credo oublié, la proie en vue, le goût du sang okay. Dans la bouche. Ok, ça marche. Bon, bah, je sais pas, j'ai pas réussi, les amis. Bon, c'est pas grave. Il m'en reste plus qu'un. Bizarre, pourtant, je l'ai regardé, mais. Cette fois, il nous peut-être faut pas assister à tout le combat des deux, mais. Bon. C'est pas grave. Bon, maintenant, le machiniste. Je suis certain que cette fois, vous avez deviné de quoi il s'agit, mes amis. Notre courageux volontaire n'a même pas trompé. Dégage. Le machiniste, il est là. Notre lanceur. Ce que je dois faire. Adroitement ses couteaux sur la corne et la coupe en deux. Non, il est pas ici. Je me suis trompé. Va-t-il réussir ? Oh putain, des niveaux 8 quand même. Dégage. Il est au-dessus. Putain, vous croyez que je vais le trouver, le machiniste ? Oh putain. Alors là, j'ai un peu de chance. Dégage. Trouve la paix. Salut. Ouvrir la porte, ok. Où elle est ? Ok, je libère. Ah, Seigneur, merci beaucoup. Il abaisse le grill. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. La vie est belle quand elle nous réserve de telles surprises. Ce n'est pas encore fini. Restez à vos places, le spectacle va bien okay. Nous reprendre. Tu préfères la tragédie à la comédie. Je savais que tu as fait du coup. Si je t'en prie, ils ont brûlant dans les narines. Tracassez-lui le crâne. Bon, toi, tu me saoules. Tiens, casse-toi. Ouais, lui il me saoule. Franchement, lui, là, celui-là au milieu là, celui que je suis en train de tuer, il me saoule. Dégage. Purée. Enfin le dernier là-bas. Dégage. Si ce n'est pas Ross. Le voilà. J'espère que vous avez apprécié cette soirée, mesdames et messieurs. Du moins autant que moi. Avant notre finale, j'aimerais rendre honneur à tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir pour célébrer la vie et
la mort. Allez, criez-les. Quoi? C'est à toi de jouer, Jacob, mon cher. Brûlez! 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 Assassiner Maxwell Roth. Ce mec est fou. Faut que je l'arrête. Oh purée. Tiens et boum. Et voilà, je l'ai tué. C'est fini. Mon ami, quelle soirée. Elle restera gravée dans l'histoire. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Quoi? Briser le cou d'un jeune corbeau entre mon pouce et mon index? Tailler en pièces des gens que tu dis innocents? Laisser au monde sa divine folie? Parce que j'obéis toujours à la même devise. Pourquoi pas? Et voilà, c'est fait. C'est fini avec lui. Oh. Réfléchis. Là. Ouais, par contre, là, ouais. Il a fait tout cramer ce con. Il y a une sortie au moins là. Je refuse de brûler avec les planches. Comment je peux faire? Sérieusement, j'ai attendu trop longtemps là. Je n'en sortirai jamais vivant. Ah voilà, par là je crois. Et à chaque fois des planches là, c'est quoi ça? Bon, c'est la dernière entrée, hein, écoutez. Quel cauchemar! Putain, c'est grave. Mais what? Comment je fais? Je refuse de brûler avec les planches. Et je vais mourir. Ah, là-bas sans doute. Putain, mais c'est horrible là, comment je fais là? Je n'en sortirai jamais vivant. Mais comment je fais? J'ai pas de bombe. Comment je fais pour les planches? Je comprends pas là ce qu'il faut faire.
Je n'en sortirai jamais vivant. Et ouais, mais comment je fais avec ces planches là? Je veux bien, mais... Je refuse de brûler avec les planches. Et what? Mais je comprends rien ce qu'il faut faire là. Quel cauchemar! Peut-être au-dessus. Mais. Là je crois que je vais faire. Je vais faire une ellipse sur les amis parce que là je comprends rien ce qu'il faut faire. Ils sont tous barricadés par des planches. À un moment moi je veux bien mais là... Je n'en sortirai jamais vivant. Ah ça y est. Purée, en fait il n'y a qu'une entrée qui est bonne. Ah pour le coup là c'était vraiment un coup de chance. Et voilà, ça c'est fait. Et ça fait 33 minutes. Comme ça, on pourra s'arrêter ici. Là, comme je l'avais prédit, je pense qu'on va changer de séquence. Et ouais. Séquence 9. L'ordre a enfanté le désordre. La mer monte pour engloutir les pubs et éteindre les réverbères. Notre ville va périr. Choupigny a échoué. Lucie a échoué. Brunel Eliotson. Pearl. Tous ont disparu dans la nuit. Mon tour est venu. Les assassins ont ouvert nos maisons à la fureur. Les hommes sont devenus des monstres. Qui déferle sur nous, prêt à mordre. Notre civilisation doit survivre à cet assaut. Nous ferons table rase du passé. Nous chasserons les ténèbres. Londres doit renaître de ses cendres. Ça y est, Starik va passer à l'action. Le fragment d'Eden se trouve sous Buckingham Palace. On a tout ce qu'il nous faut. Commençons à préparer notre infiltration. Attends, mieux vaut une confirmation visuelle. Si on se lance, on doit être totalement sûr. On n'aura qu'une chance avant qu'Otsoberg ne nous tombe dessus. Pour une fois, je suis d'accord. Nous prendrons position près du palais, mais nous attendrons la synchronisation des données génétiques avant de foncer. Tout dépend de toi, initié. Bien. Là, la petite séquence dans l'oral qui sert à rien, pour le coup. Même si on peut pas vraiment appeler ça du réel, hein.
Tu es en retard. Starik va passer à l'action. Le fragment d'Eden est quelque part à Buckingham Palace. Qu'il le prenne. Je t'ai vu à l'œuvre dans toute la ville. Tu devrais peut-être te fier à mon jugement. J'ai tué les lieutenants de Starik. Et toi, tu as fait quoi? Oh, demandons à Henry, tu veux bien? Je n'ai fait que réparer tes erreurs. À trop se hâter, on arrive plus tard. Arrête de citer notre père. C'est de Platon. Et désolé si pour une fois il n'est pas question de destruction. Père avait raison, il n'a jamais approuvé tes méthodes. Ça suffit, il est mort. Assez. Je viens d'avoir des nouvelles de mes espions. Starik compte voler le fragment d'Eden ce soir, au bal du palais. Avant d'éliminer les chefs de l'église et de l'État. On y retourne au nom du bon vieux temps. Ce sera la dernière fois. D'accord. Alors comment on s'y prend? Ah ouais. Oh, c'est une merveilleuse surprise de vous voir tous les deux. Quelles sont les nouvelles de la rue? Madame Disraeli, nous avons découvert qu'il y avait à Buckingham Palace quelque chose capable de menacer. Ce que ma sœur essaie de dire, c'est que nous avons besoin d'assister au bal de ce soir. Oh, impossible! Même s'il restait des cartons d'invitation, ce qui n'est pas le cas, quelqu'un de votre rang social... Si cette baudruche de Gladstone est là ce soir, je veux bien leur donner mon carton. Parfait. Alors j'irai seul. Madame Disraeli, si vous aviez la bonté d'indiquer à mon cher frère où se trouve le domicile des Gladstone, peut-être pourrait-il déployer ses talents et s'emparer de leurs invitations. Oh, splendide! Avez-vous entendu, Lizzy? Nous allons faucher les invitations des Gladstone. Merci de m'avoir porté volontaire, ma chère sœur. Mais c'est un plaisir, mon très cher frère. Oh, Madame Disraeli, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller voir le Maharaja. Il a peut-être à sa disposition un autre jeu de plans de la crypte. Bien. Fille, un de ces toupets. Elle me traite comme un enfant. Ok, donc les amis, on va pouvoir s'arrêter ici. 4 points de compétence. Donc là, ça sonne vraiment la fin, là, pour le coup. Et hop, on achète ça, et voilà, on est full combat. Bartizou. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cet épisode de Assassin's Creed Syndicate. La fin est tout proche, les amis. Je vais regarder notre journal de production, peut-être, qui va m'en dire plus. Non, pas ça. Suite progression. Histoire. Ah ouais, séquence 9, c'est la dernière. Donc on est vraiment là, à la toute fin, les amis. Enfin, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Ouais, 4 mémoires, il reste. Ouais, on est vraiment à la toute fin. Voilà, bye bye.